Bienvenue à tous dans ETV Newsweek, ravi de vous retrouver. On commence par les titres. Incendie mortel au Moule, une explosion due à une fuite de gaz est à l'origine du drame. Le CHU de Pointe-à-Pitre, cette fois on parle de rupture de médicaments pour les patients, l'inquiétude grandit. Les sargasses, le retour, mais le retour incessant, cette fois c'est à Petit-Bourg, mais difficile de ramasser régulièrement. Et puis le clocher de Notre-Dame de Bonport à Petit-Bourg sera rénové, il fait partie des sites sélectionnés par le loto du patrimoine. Nous irons à la rencontre des habitants. Dans notre département qui subit le manque d'eau potable, les incendies se multiplient. Cette fois, il y a une victime, une femme décédée au Moule. Tout a commencé par une fuite de gaz. Grégoire Troutman s'est rendu sur place. Je suis actuellement au Moule, tout près du 15 rue des Manguiers, là où a eu lieu ce dimanche un incendie dramatique, puisqu'une femme de 53 ans y a perdu la vie. Il s'agit de la femme du propriétaire de la maison, un homme assez connu dans le quartier, puisque Roger, c'est son prénom, tient aussi une épicerie tout près de cette maison. Alors beaucoup d'habitants ont assisté à l'incendie, tous décrivent la même scène. D'abord une grande déflagration, puis des flammes qui quittent la maison. Alors je vous propose d'écouter tout de suite l'un des voisins qui a assisté à la scène. Bon, on a entendu l'explosion, c'est tout. Moi, on est sorti dehors, il y avait beaucoup de monde. C'est comme... On va de temps en temps dans la petite boutique quand il manque quelque chose, mais ce n'est pas des endroits qu'on va tous les jours. Et on a vu les pompiers, on a vu les polices, la gendarmerie, la police municipale. Alors une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'explosion, mais nous savons déjà que la déflagration a causé des dommages assez importants sur la maison et qu'il est actuellement impossible d'y retourner. Par ailleurs, trois personnes se trouvaient au premier étage de la maison, ils étaient tous locataires, ils ont été secourus par les pompiers et ils ont été tout de suite relogés par la mairie. Par ailleurs, pour ce qui est du corps de la défunte, il est actuellement en autopsie et nous aurons dans les jours qui viennent beaucoup plus d'informations sur les causes précises de sa mort. Nous vous parlions sur ETV des patients du CHU qui devaient emmener jusqu'à leur propre drap lorsqu'ils venaient se faire soigner. Aujourd'hui, nous allons aborder le manque de médicaments. En France, de façon générale, en 10 ans, le nombre de médicaments concernés par des ruptures ou des problèmes d'approvisionnement a été multiplié par au moins 10. Ici, en Guadeloupe, c'est un énième manque qui vient s'ajouter aux autres au CHU. Voici le reportage de Marius Mathieu. Au CHU de Guadeloupe, l'alerte est désormais officielle. La rupture d'approvisionnement de certains médicaments vitaux menace potentiellement la vie de centaines de patients. Dans un récent courrier, le directeur général du CHU en personne s'adresse à la directrice générale de l'ARS pour lui faire part de cet effrayant constat. Les conséquences à court terme des ruptures peuvent engendrer des conséquences dramatiques pour les patients pris en charge. En cause, des retards de paiement importants obligeant les fournisseurs à ne plus approvisionner l'hôpital en médicaments. La liste des produits manquants en question est effroyable. Lactalis, utilisé pour traiter les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et les embolies pulmonaires. Le sufentanil, utilisé en cas d'infection grave. Ou encore la morphine, indispensable pour les anesthésies. Hasard du calendrier ou bonne gestion de crise ? Emmanuel Macron a annoncé dès mercredi, lors d'une rencontre avec le président de région, qu'une trésorerie de secours sera mise en place pour prévenir ces ruptures d'approvisionnement. Celle-ci pourra s'élever jusqu'à 20 millions d'euros. Une nouvelle pas si réjouissante pour le collectif de défense du CHU. Ah si, on ne veut pas 20 millions là, qu'il y aura annoncé avec notre chalut, c'est président là, M. Macron. Nous, comme bien dit encore une fois, si on ne veut pas 20 millions, son aide, son pétition, prêt au feu le CHU, que le CHU qui n'a rien boursé. Et qui a rappelé, encore une fois, à part ça, il y a un problème là. Parce qu'il a rappelé, c'est pour payer, ça a déjà dépensé, ça a déjà fourni sur, ça a déjà tenu. Mais pour les mois, les semaines qui sont venues, c'est le CHU qui patine au rebassage budgétaire là. S'il patine en appuyant des dettes, nous avons produit le même déficit là, et donc les mêmes problèmes d'approvisionnement, donc les mêmes risques pour les malades. On était un établissement qui n'a pas la capacité, la possibilité, qui en termes de personnel, qui en termes d'équipement, mais effectivement tout ça, il faut payer, il faut entretenir, il faut renforcer, il faut former. Aujourd'hui là, nous ne parlons pas du tout en misère des dire qu'il y a un établissement de santé public. On a bien précisé, public. La dette actuelle du CHU s'élève aujourd'hui à plus de 45 millions d'euros. En Guadeloupe, certains acteurs du corps médical demandent à l'État une prise en charge totale de ce déficit.
Cette semaine, le président de la région Guadeloupe a demandé à être reçu à l'Élysée pour obtenir de l'aide pour notre archipel. Problème d'eau potable, notamment problème du CHU. Rappelons qu'Emmanuel Macron avait tapé du poing sur la table en critiquant les élus locaux pour la mauvaise gestion de l'eau. Harry Chalus a voulu s'assurer du soutien de l'État. Écoutez-le. Non, effectivement, lors de mon passage, j'ai demandé à voir le président concernant des problèmes que nous rencontrons vraiment en Guadeloupe. Mais surtout, le but était de prendre un rendez-vous de manière à ce que la présidente du département et moi, nous puissions rencontrer le président pour discuter un peu et savoir comment l'État peut et pourra accompagner le département et la région à accompagner les Guadeloupéens sur les gros dossiers qui nous concernent. J'ai profité pour lui parler un peu de la réunion que nous avons eue avec les organisations syndicales concernant les inquiétudes. Et l'un des problèmes importants, c'est l'approvisionnement du CHU, qui nous savons qu'il y a 45 millions de dettes. Et il a proposé une ligne de trésorerie sur le budget du ministère de la Santé, de manière à permettre à l'hôpital quand même d'honorer une partie de ses dettes en attendant de trouver des solutions. J'ai profité aussi pour le rappeler qu'après des années, après 30 ans quand même, nous avons pu dans la conférence territoriale de l'action publique, la CTAP que je préside, avec le président d'agglomération et du département que je félicite, nous avons pu mettre en place, à partir du 1er janvier 2020, cette structure unique qui va gérer l'eau, le syndicat unique, et que j'aurais souhaité qu'il puisse confirmer l'apport, la participation de l'État sur les accords que nous avions eus. Et dans un communiqué quelques heures après, il a fait sortir effectivement que l'État accompagnera massivement la Guadeloupe pour pouvoir régler ces problèmes d'eau. Donc ce que nous attendons actuellement, c'est que nous puissions mettre cette structure en place, que nous puissions faire les études, faire le plan de financement et dire à l'État, bon voilà, que nous attendons tel ou tel montant. Emmanuel Macron avait annoncé en septembre dernier 40 millions d'euros pour l'hôpital en Martinique. Les sargasses agacent de nouveau. Bientôt la période des vacances et cette nouvelle arrivée perturbe certaines communes. Parfois ramassées, parfois entassées, les riverains en subissent les conséquences. Le reportage de Marius Mathieu. Vivre à quelques mètres de la mer, rares sont ceux qui en ont la chance. Mais ce privilège se transforme parfois en mauvais rêve avec l'arrivée de sargasses. Il y a quelques jours, Petitbourg a été victime d'une marée d'algues brunes de plusieurs centaines de mètres. Aux premières loges du sinistre paysage, ici, nous retrouvons Ginette. Elle habite cette maison depuis 30 ans et a tenu à nous montrer l'impact des émanations de gaz de sargasses échouées. Ces pièces de monnaie et d'argenterie sont par exemple toutes corrodées et les dégâts ne seraient pas que matériels. J'ai les brûlures de la gorge à la gauche. Et les yeux qui également, qui picotent. On essaie de s'abriter comme on peut. On ne peut pas rester enfermé dans la maison, c'est pas possible. Je vais à mes occupations dans la maison. Je suis obligée de vivre avec cette situation-là. Une situation pas facile, aux airs de fatalité pour les habitants de la commune. Ailleurs, cet homme est tellement submergé par la désagréable odeur des algues brunes qu'il doit vivre chez lui, enfermé. Cet appareil-là, c'est un appareil qu'ils ont mis pour... Je crois que c'est la RS qui l'a mis, pour capter les odeurs. Vous voyez que j'ai une fenêtre derrière vous, là, face de la mer. C'est invivable dans la maison avec ça. On est obligé de dormir enfermé. On voit l'odeur, alors là, on ne peut pas respirer ici. Les sargasses empoisonnent le quotidien de ceux qui y sont confrontés. Le gouvernement s'était engagé en 2018 à ramasser les sargasses, maximum 48 heures après leur échouage. Le gouvernement débloque 5,4 millions d'euros contre le pesticide chlordécone, annonce de la ministre de l'Outre-mer, Brigitte Girardin, cette semaine. Sur le terrain, concrètement, plusieurs pêcheurs s'inquiètent. Leurs zones de travail ont été restreintes en cause le chlordécone, justement dans cette zone du sud de la Basse-Terre, la plus contaminée. Marius Mathieu. Sainte-Marie au sud de Basse-Terre. Ici, quelques dizaines de pêcheurs subsistent et se partagent ce ponton. Le secteur est situé en pleine zone d'interdiction partielle de la pêche, en orange sur cette carte, à cause de la présence massive de chlordécone. En tout, 30 filets ou casiers illégaux, comme celui-ci, ont été découverts et détruits sur la zone par les autorités.
pour cet homme de la mer, ce sont le fait de braconnier. Lui et son équipe font l'effort d'aller pêcher plus loin. Mais les zones de restriction ou d'interdiction de pêche sont pour lui un frein à l'activité qu'il défend. C'est un peu difficile pour les pêcheurs parce que normalement, sur 25 espèces, on a 20 espèces qui sont interdites. Et le panier du marin pêcheur a diminué considérablement. Sur 1500 marins pêcheurs, il y a 10 ans, maintenant on peut en compter que 273 à peu près au comité. Si on devait mettre une interdiction du chlordécone, c'était autour de la Guadeloupe. Puisque les poissons voyagent sous les bandes, le poisson qui navigue entre la bande des 40 mètres, il fait le tour de la Guadeloupe. Hein. Il ne reste pas là. Hein. De toute façon, il va y avoir des gros porte-containers qui arrivent, qui sortent du Panama. Ils vont porter du poisson, c'est le but. Normalement, il y a déjà des entreprises qui commandent des gangueules à l'étranger pour entrer ici. Le pêcheur doit faire une pêche à 5 000 de son port. Il ne peut pas aller plus loin puisqu'il est en quatrième catégorie. Et pour aller un peu plus loin, même à 20 000, même au-delà, à côté de Marie-Galante, il faudrait des bateaux en troisième catégorie. Je crois que c'est la fin des petits pêcheurs, c'est la fin. Profit des poissons importés, profit des grands supermarchés, tout ça, ils vendent tout. Même le balaou, ils vendent. La préfecture recommande de limiter, voire d'éviter de consommer des produits de la mer issus des circuits non contrôlés, comme la vente en bord de route. La pêche artisanale fait pourtant partie d'un certain patrimoine culturel de la Guadeloupe, qu'il sera difficile d'effacer. ETV vous propose le portrait d'un jeune qui se forme à la menuiserie et plus précisément au RSMA, le Régiment du Service Militaire Adapté. Il permet aux jeunes de se former à différents corps de métier. Le reportage de Camille Riouel. C'est un travailleur infatigable à tout juste 20 ans. Victorine a su trouver rapidement ses marques au RSMA de Guadeloupe dans la filière menuiserie où il s'épanouit depuis près de 8 mois. Moi, je veux faire maçonnerie, construction, bâtiment, maison et tout. Et là, je fais charpente, donc je veux recouvrir ce que moi j'ai construit. Donc c'est comme si j'ai fait toute la maison et je suis fier de moi. Il est à peine 6h30 et le jeune stagiaire rejoint avec hâte son équipe. Il se penche aujourd'hui sur la charpente de cette maison qu'il espère finir d'ici 2 jours. Un travail sans répit pour le jeune homme, dans un rythme qu'il a déjà adopté pour ses précédents projets. Ici, là, j'ai fait une cage à poules pour un ami à moi. Donc j'ai pris à peu près une journée pour faire ça. Donc après, j'ai coupé le contreplaqué, j'ai fixé tout seul. J'ai fait mes affaires et j'ai déjà fait les portes aussi. Moi, je travaille jouer, nous, le dimanche, les jours fériés. Moi, je travaille tous les jours, moi. J'ai pas... Quand il faut travailler. Hein. Sinon, personne ne le fera pour toi. Moi, j'ai tout ce que je veux, moi. J'achète tout ce que je veux, moi. Je me fais plaisir. Ah ouais, moi, je me fais plaisir, alors. Le travail, c'est ma passion, alors. Je peux rien, je peux pas... Comme si laisser le travail pour aller driver, mais non. Après, j'ai plein de sous, je peux pas m'acheter un linge. Mais non, je peux pas m'acheter une chaussure. Alors moi, je sais que c'est le travail qui donne tout ça. Donc moi, je travaille. Dès qu'il y a du travail, je suis là. Et le travail paye pour Victorine. Il va bientôt passer au statut de volontaire technicien au sein du régiment. On connaît la liste des 103 monuments qui vont être restaurés grâce au loto du patrimoine. C'est la deuxième édition de ce loto qui avait permis de récolter 22 millions d'euros l'an dernier auprès de la Française des Jeux. 2 rénovations seront financées en Guadeloupe, l'église Saint-André de Mornalo, site emblématique, et le clocher de Notre-Dame de Bonport à Petit-Bourg. La rénovation de ce dernier était attendue par les habitants depuis 2004. Reportage de Grégoire Twitman. Cette cloche, Jean-Luc ne l'avait plus entendue depuis 15 ans. Comme les autres fidèles de l'église Notre-Dame de Bonport à Petit-Bourg, il s'est habitué à une église silencieuse. Je ne dirais pas qu'on attend, mais le fait que ça sonne, ça donne du baume à l'église. Je crois qu'une église sans clocher, bon, c'est une église qui n'est pas vivante. Hein. Mais cette époque est bientôt terminée. Ce clocher, indépendant du reste de l'église, fait partie des 103 nouveaux projets sélectionnés pour bénéficier de la deuxième édition du loto du patrimoine. Il sera rénové à l'aide de fonds exceptionnels, une nouvelle attendue par le maître des lieux. Pour nous les chrétiens, la cloche, c'est un instrument liturgique et un outil de communication. Donc la cloche rassemble la communauté, rythme la vie paroissiale
Et la cloche est là pour rappeler aux chrétiens qu'ils appartiennent à une communauté. Construit en 1843, le clocher a résisté à plusieurs ouragans. Mais depuis le tremblement de terre de 2004, sa structure est fragilisée et le bâtiment est devenu trop dangereux. L'aide de la Fondation du patrimoine permettra de le remettre en état. Il y aura un lifting complet. La structure elle-même a souffert par le temps, la toiture, il y aura tout le réseau électrique, il y aura toute la structure en béton. Il faudra voir, essayer de refaire autant que faire se peut ce clocher à l'identique. Alors c'est pour cette raison que l'architecte est à la recherche de photos d'époque. Je lance un peu un appel à travers cette interview pour essayer d'avoir le maximum d'informations et de supports photographiques pour essayer de le réhabiliter tel qu'il était, je dirais, à la fin du 19e siècle. Pour cette édition, un seul projet par département était retenu. Le maire ne cache pas sa satisfaction. Et lorsqu'on sait qu'il y a plus de 1300 dossiers, que nous étions parmi une centaine de dossiers retenus, c'est pour nous aussi une grande fierté. À travers un patrimoine, c'est toute une histoire, c'est toute une culture, et aussi ça nous permet de mieux se connaître et pouvoir mieux se projeter. Les paroissiens espèrent entendre sonner les cloches au 15 août 2020, date de la fête de Notre-Dame de l'Assomption, la sainte patronne de la ville. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV.